Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour mon let's play sur Crusader Kings 2 de Comte à Empereur. Nous en sommes à l'épisode 18. Actuellement, bon, on n'a rien de bien prévu pour cet épisode-là. On avait fait un complot, on avait réussi à tuer le fils du roi de France. Alors certainement, vous voyez comme héritier maintenant le comte de Forest qui est son autre fils, qu'on va essayer d'assassiner également. Puisque actuellement notre fils fait partie des personnes qui peuvent prétendre au royaume de France, hein, comme vous pouvez le voir, il est deuxième actuellement, soutenu ben, par lui-même et par nous, puisqu'il possède ben, différents territoires. C'est étrange que le duc de Normandie ne le suive pas, mais bon, c'est pas. Tiens, notre petit-fils, prince héritier du duché de Normandie. N'est pas marié, il s'en inquiète. Bon, bah, on va lui trouver quelqu'un de bien. Une princesse du Saint-Empire romain. Ça peut être pas mal, surtout qu'elle a pas mal de diplomatie. Bon, ça nous concerne pas vraiment, hein, de toute façon. Puisque ce sont nos petits-enfants. Ils nous apporteront pas grand-chose, en fait, tout simplement. Mais bon, nous, ça permet de faire des alliances au moins entre eux. D'ailleurs, tout le monde est allé aider le roi de Léon. Il y a une guerre ici. D'accord, ça ne regarde pas trop. Parce que vous voyez quand même que les Almoravides ont pris beaucoup de puissance, hein, notamment en tenant le Maghreb et tout le sud. Donc là, on a toute l'Andalousie. Et une très grande partie du Portugal. A revendiquer le royaume de Sicile. Tu arrêtes tout de suite. Tu n'y penses même pas. Merci. Bon là, apparemment, il y a une guerre de ce côté-là. Mais aussi, il faut savoir qu'eux étaient en guerre contre le Saint-Empire, contre l'Empire byzantin pour récupérer des territoires. Donc il faut faire très très attention. Hein, Là, on s'est surtout concentré sur des guerres contre le roi de France, mais les musulmans font vraiment beaucoup de guerres contre les différents groupes. D'ailleurs, ça, c'est ma fille qui est décédée et était mariée au roi de Ruthénie. Ah, c'est vraiment dommage. La Ruthénie, hein, vous voyez que c'est quand même tout ça. Et que ce sera notre petite fille, pardon, qui va être reine de Ruthénie. Donc, pourra peut-être nous apporter de l'aide, on sait jamais. Même si c'est vraiment très très loin. Alors, on a perdu notre maître espion. Et apparemment, c'est. Il n'y a plus. Ah, le royaume de Hongrie, oui, c'est vraiment réduit à peau de chagrin, hein, comme vous pouvez le voir. Qui appartient à une très grande partie au Saint-Empire d'ailleurs parce qu'il est duché de Prusse, duché de Erzherzogtum. Ah oui d'accord. Donc nous n'avons plus de maître espion. Alors on va pas mettre notre fils comme la dernière fois comme maître espion. Tout simplement parce qu'il y a un risque qu'il se fasse assassiner. On va plutôt mettre quelqu'un qui veut devenir maître espion. Vous voyez, ils sont tous à 13. Notre neveu. On va le mettre ici. Et on va essayer de se concentrer un peu plus par contre sur l'Angleterre. Parce que d'ailleurs, il a quoi comme armée actuellement? Le petit. Il a 10 000 soldats. Il est pénible le roi de France. Là. Il commence à être. Il commence à être relativement très pénible. Donc oui, on voyait qu'ils peuvent lever quand même 10 000 armées, hein. Nous on peut enlever un peu le double. Ça c'est pas un problème, mais on va essayer de récupérer quand même des territoires. En Écosse, on a une revendication ici, mais c'est notre beau-fils, donc on va pas l'attaquer quand même. C'est pas vraiment réglementaire. On pourrait attaquer pour essayer de récupérer ces territoires-là, et même celui-ci, puisque d'ailleurs ça appartient au roi de... Ça lui appartient à lui directement d'ailleurs. Il a beaucoup de territoire. Ah oui, il a.
Il a un duché et 4 comtés. Il va falloir faire attention. Mais il y a une possibilité peut-être que ses vassaux se révoltent et dans ces cas-là que nous on récupère. Alors j'essaye moi de faire le maximum de revendications pour que voilà, ça c'était à peu près sûr. Allons plus avant dans la revendication. Oui, on va le faire. Et en plus, voyez comme il s'est révolté, puisque c'est une guerre d'indépendance. Eh ben, on va en profiter pour attaquer ce duc. Et on peut appuyer toutes nos revendications. Alors ça, c'est vraiment très très bon. Je ne vous le cache pas, on a eu un coup de chance. Alors, on avait déjà un comté en Angleterre, hein, qui est celui-ci. Et on va essayer de récupérer les deux autres. Donc, mon cher duc, vous avez bien fait de vous révolter. On vous attaque et on va récupérer tous nos territoires. Alors, levons nos armées. On va laisser les armées d'Italie, l'un des deux Siciles ici pour l'instant. Hein, on reviendra certainement plus tard pour essayer de garder nos territoires ici. Hein. Par contre, alors, parce que j'ai vu qu'il y a des territoires, je pense qu'elle ne doit pas m'apprécier puisqu'elle doit vouloir. Voilà. Donc on va lui faire des transferts. Transférer le vassalage. Fécamp, Lillebonne, Cité d'Arc. Alors, Fécamp. Il me retient et elle le veut. Transférer le vassalage. Lillebonne et Arc. Ici. Cité de Arc. Cité de Arc. C'est bon. Parce que vous voyez, quand on a des comtés comme ça qui où on voit les territoires qui reviennent, ça veut dire que forcément. On possède on est directement voilà, là aussi c'est le cas ici hein. On va lui transférer Tartas, Bazas et Gascogne. Ah non, on convoite le duché de Gascogne. Bazas qui est ici et Tartas, la cité de Tartas. Voilà. Bah, je vais regarder ça, je vais faire le tour un peu de mes vassaux, voir ce que s'ils veulent des choses ou pas. Faut toujours faire attention à ça. Alors eux, on va les laisser tranquilles pour l'instant. On va ramener ça là. Combien peux-tu lever d'armes? Rien à importer en vassaux. Bon, alors. Vu que je pense qu'on a suffisamment d'armées ici, et les 7000 soldats, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. On va faire venir toutes ces armées ici. Et eux, on va les garder au cas où. Tant pis, hein, on va pas les lever maintenant. On a perdu notre chapelain de la cour, mais ça, on va en prendre un. On avait ici que c'était toujours pas converti. Donc, on va essayer de reprendre nos territoires d'ailleurs, c'est parce que l'Angleterre, je pense, doit être en guerre contre. Voilà, ça c'est. Guerre contre. Hopland, d'accord. Donc, il faut vraiment qu'ils aillent tout là-bas avant que. On aura peut-être d'ici là réussi à récupérer nos territoires. D'ailleurs, ça, bateau. Et tu viens ici. Et c'est parti. On va carrément envahir l'Angleterre. Et c'est parti. Tous ici. Djihad pour la Syrie encore une fois. Décidément. L'empereur byzantin. Top. Toi, tu t'arrêtes là. Excusez-moi. Donc c'est parti. Voilà,
Déjà, si on lui attaque son armée, on a plus de chance. Non, ça, à mon avis, c'est que tu veux récupérer le duché de Gascogne. Et je te dis non. Il n'est pas question que tu le récupères. On en a bien trop. Oh, ça, c'est magnifique. Encore même pas besoin de combattre. Duc Arfin Ier de Mercia a été capturé au combat. C'est désormais mon prisonnier. Et quand c'est comme ça, eh ben, vous voyez directement score de guerre à 100%. Puisqu'on détient l'adversaire. D'ailleurs, on arrête, oui. Tu cherches à tuer, tu arrêtes de mettre fin au complot. Oui. Et, bien sûr, offrir la paix, appuyer les exigences, oui. Et nous possédons une partie de l'Angleterre. Ah, une guerre rondement menée, elle était vraiment... on a eu de la chance de pouvoir capturer directement le duc. Bon, on a un domaine trop vaste. Mais je suis sûr que si on regarde dans notre cour, on doit avoir, voyez, hop là, mon petit-fils, maréchal d'Irlande, héritier du duché de Normandie, du comté de Bexin. On va pas lui offrir de territoire à lui tout de suite. Mais on va regarder si on n'a pas d'autres personnes qui seraient... d'ailleurs, toi, tu es héritier de quelque chose? Non. Qui est ton père? C'est un neveu qui est décédé. Il est jeune, il a 4 ans. Est-ce qu'on a d'autres personnes dans notre cour? Voyons voir. Qui es-tu? Courtisan de Silena. Tu es un Irlandais de 31 ans. Et ben, on va t'accorder des titres. Te voilà comte de Hereford et comte de Strawberry. Non, de Shrewsbury, pardon. Voilà. Et bienvenue dans notre royaume. Donc finalement, on commence à prendre peu à peu les territoires qui nous manquent. Voilà. Parce que si on regarde bien par rapport au duché, par rapport à l'Empire, il nous en faut donc 80%, on en est à 30%, hein, il nous manque encore pas mal de territoire. Il nous en faudrait encore 20 de plus, hein, 20 territoires de plus au moins. Donc là, bah, on a bien agrandi le territoire. Alors bon, il va falloir un petit moment avant qu'on puisse vraiment lever des armées sur ce territoire-là. On a l'argent qui va en réserve. C'est plutôt bien, de toute façon. On va profiter pendant que le roi d'Angleterre est en guerre. Non, on peut pas lui déclarer. Ah, nous avons encore de l'armée de levée. Ah, j'avais pas regardé où, mais tant pis. Je sais qu'on pourrait avoir de l'armée encore. Quel territoire pourrait-on avoir? Je ne sais pas. On avait un territoire où on avait encore de l'armée. Qu'on a laissé je ne sais pas où. Mais c'est pas bien grave, peut-être. Ah! Elle, c'était Malte, je suppose. Héritière. D'accord, à mon avis, il va y avoir un assassinat sous peu ici. Pour qu'il y en ait une qui récupère tout. Ça m'étonnerait que les territoires restent comme ça bien longtemps. Le roi de France, lui, pour l'instant, bah, il nous apprécie pas du tout. Vous voyez, il veut récupérer tous 4 de nos duchés. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Oui, on n'est pas en passe de pouvoir usurper le titre, mais on possède quand même 31%. Du territoire de la France. Et ça, ben, mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal.
Je pense que ouais, on récupérait 8 territoires. Bien sûr, on récupère déjà le Berry et puis. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, vous voyez ça. En fait, c'est en train d'être intégré de jure au royaume d'Irlande. Donc, peu à peu, tout ceci fera partie du royaume d'Irlande. Et si c'est le cas, eh ben le roi de France ne pourra plus revendiquer ses territoires. Tout simplement. Donc là, pour l'instant, le compteur n'a pas commencé. Puisqu'on n'a pas changé de génération. Mais ceci, comme on a bien changé de génération, c'est en cours, hein, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, ça, c'est en train d'être intégré de jure au royaume d'Écosse. Et il va falloir certainement qu'on se batte pour récupérer ça. Alors nous, on va récupérer de jure le Devon. On pourrait récupérer ceci aussi. Parce qu'il est deux fois duc. Ah, il est duc de Gloucester aussi. Oula! En effet. Donc, par contre, on va récupérer le Devon pour récupérer correctement tout le... Comment dire? Tout le duché de ben, tout ce qui appartient au Pays de Galles, hein, tout simplement. Ceci, nous allons y enlever. On a 14 000 soldats en France, hein. C'est bien la moitié de notre armée. Très peu dans le royaume des deux Siciles, mais ça, c'est normal. Donc on va voir comment ça se passe. Vous voyez, pour l'instant, bon, la guerre est en train de faire rage entre le duc de Murcia, pardon, et le roi d'Angleterre, qui a pris pas mal de territoire d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas vraiment notre problème. Nous, on est en train d'étendre, d'essayer de prendre des territoires sur le duché de Lancaster. Et on aura peut-être le Devon très rapidement. Ah, il nous faudra certainement massacrer le. Ah, ça c'est bien. On va faire certainement massacrer l'armée du roi d'Angleterre. Hein. Mais ça encore, c'est pas trop un problème. D'ailleurs, lui, pourrait peut-être lui faire une guerre quand ce sera le moment. Par contre, il faudra faire attention au roi de Meath, au duc de Meath, parce que comme vous voyez, il a deux duchés, hein, le duché de Gloucester et le duché de Meath. Mais quand on aura, si on usurpe le royaume d'Angleterre, il aura des territoires sur les deux royaumes et il pourra avoir des revendications pour les deux royaumes. Donc forcément, il y a des possibilités que ça. Duc d'Aquitaine, non, toi tu mets fin à ton complot. Il y a des possibilités comme ça où après, ben, regardez déjà, je pense que si on regarde, il revendique. Non, même pas. On est juste assassin pour l'instant. D'ailleurs, c'est notre petite fille, ok. Mais il y a certains de nos comtes, nos ducs, je pense, qui doivent revendiquer, qui ont des revendications, par exemple sur les deux titres, il faut faire très attention. Et princesse Gertrude ont un enfant, c'est bien. Ça fera une personne encore dans la famille où on pourra peut-être lui confier des territoires plus tard. Alors faut faire attention, bien sûr, quand on fait ce genre de choses, parce que après le. Toute la famille peut se retourner, par exemple si votre successeur c'est quelqu'un qui n'est pas apprécié par la famille, il y a une possibilité que tout le monde se retourne contre lui pour justement. Ah ben voilà. La guerre généralisée en cours. Va-t-on réussir à attraper le roi de France, le roi d'Angleterre? Allez, 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 allez! Si on arrive à attraper son armée. Voilà. On a attrapé son armée. Et donc normalement, ça va l'affaiblir et nous, on pourra peut-être récupérer. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hop là. On a réussi à battre son armée. Il a plus d'armée. Donc il se rend et on a gagné une guerre.
Voyons voir d'ailleurs si on peut attaquer le Norfox. Non, il n'y a pas de nos vassaux qui ont de revendications, à part peut-être. Non, si, on peut pas leur déclarer la guerre. Ah, peut-être parce que aussi en même temps on a des armées. Non, c'est ça, on peut pas pour l'instant leur déclarer la guerre spécifiquement. Donc on rentre nos armées. Et on a gagné le Devon. D'ailleurs, quel titre? Non, le duché de Mercia, on va pas le faire. Le royaume d'Aquitaine, ça sert à rien qu'on le crée. Donc on va pas le faire. Bah, finalement, on aura fait une bonne session de guerre hein, pour cet épisode-là. Entre les deux territoires qu'on a gagnés ici et le Pays de Galles qui a repris un peu plus de son territoire. Par contre, est-ce qu'on n'attaquerait pas le roi d'Écosse? Parce que si on l'attaque, non, on ne veut pas revendiquer Teviotdale, pardon, puisque justement ça nous revient. Mais on peut revendiquer des territoires, comme vous pouvez le voir, en Pays de Galles. Et ça pourrait être une bonne chose, d'ailleurs. Une parente. Oui, on va l'éduquer. On va l'éduquer. Ouais, tiens. Non, il est franc. On va garder des Irlandais. C'est parti. Donc. Ah, il va falloir qu'on. Il a quoi comme armée? D'ailleurs, vous voyez qu'il a réussi à reprendre des territoires à la Norvège. Ce qui n'était pas le cas il y a assez longtemps. 8000 soldats. Et nous en sommes toujours à bien plus. Hein. Mais d'ailleurs, on va augmenter un petit peu nos territoires. Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Et bah, ça, c'est. Si on le fait pas, au bout d'un moment, si nous on se fait attaquer et qu'on a besoin de lever que nos armées personnelles, on va se retrouver dans la panade. Donc, allez hop. On lui déclare la guerre pour revendiquer nos propres territoires. Oui, jure. Oh. Ça, c'est le territoire qui nous ferait gagner plus. Non, puisque le comté de Winelde, c'est celui qui dirige ben, le duché du même nom, hein, tout simplement. Donc, on va lui faire cette revendication-là. On relève toutes nos armées. On est passé à 30 000 soldats. Là, franchement, on commence à avoir des armées qui font peur même au roi de France. Et il va plus pouvoir tant s'opposer à nous après. Donc on pourra peut-être récupérer le Berry, hein, parce que vous voyez, bon, il nous déteste. En plus, il est blessé. Il a 39 000 soldats. Ah oui, il est quand même bien mutilé. Ah, c'est son frère, d'accord. Oui, parce que son fils est décédé, donc lui, s'il meurt, c'est pas bien grave à la rigueur. Et qui est le successeur en France? Ah, vous voyez que si lui meurt et que lui, on arrive à l'assassiner, bon, il a beaucoup d'enfants, mais ça, c'est pas trop un problème encore. Mais si on le fait assassiner, on pourrait peut-être récupérer des territoires. Le Dauphiné qui a gagné son indépendance. Peut-être une guerre. Il faut voir. Alors, eux, par contre. Regroupez-vous. 7 000 soldats. Ah, ici, il va falloir lever des armées. De toute façon, faire venir plus que ça. En face, il y a quand même 8 000 soldats. On peut pas dire que c'est rien. On va faire venir les armées de Normandie. Voilà, comme ça on sera à 14 000 soldats. Hop là, hop là, hop là. Doucement. Doucement, mon petit. Ne fais pas n'importe quoi. T'as raison. Alors, il va se diriger sur Difed, qui est ici, je crois. Non, même pas. Il vient directement s'attaquer à nos armées. Bah, pourquoi pas. Voilà, alors en plus on va perdre
notre titre d'assassin. Alors ça, c'est vraiment excellent. C'est très bon. Donc on n'est plus assassin, donc déjà on va se faire apprécier de toute notre famille. Eux ils se regroupent, eux ils viennent massacrer, s'il vous plaît. Non, ça c'était peut-être pas une bonne idée ça. Bon, on a perdu tous les soldats ici, mais ça c'est pas très grave. Viens là, s'il te plaît. Encore une fille qui est décédée, qui était bon, elle était au royaume d'Écosse, mais... Ah oui, quand même. Ça a sacrément défiguré. Encore des mariages dans... Enfin, des naissances dans la famille. Oh, on nous offre encore de l'or, certainement que... Pardon. Certainement que le duc de Pise veut récupérer des comptoirs commerciaux dans nos terres. Bon, on va accélérer la bataille là. Et ensuite... Merci. Ok, on a perdu la bataille ici. Mais on va arranger ça. C'est parti. C'est parti. Non, 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 tu fuis pas, toi. Si tu penses se fuir comme ça, ça va pas... Non, on n'est pas d'accord. Allez, hop là. Tu te fais détruire ton armée, vite. Voilà, c'est ce que je vous disais. Généralement, les maîtres espions, ils meurent assez vite. Bon, ouais, ils décédaient de grand stress. Ça... C'était à prévoir malheureusement. Alors voyons voir. Ouh, un très bon maître espion. Ça, celui-là, il faudra le garder dans notre poche. Il va pouvoir nous apporter beaucoup de choses. C'est parti. Une trêve qui est en train... Oh là là, ça c'est pas bon par contre. Une trêve avec le roi de France qui expire, à mon avis. Il va en profiter. Donc on a intérêt de monter de monter nos armées très très rapidement. On a combien? 30 000 soldats et ouais. Il va falloir qu'on gagne cette guerre le plus vite possible. Parce qu'à mon avis, le roi de France va sauter sur l'occasion, mettre fin au complot. Oui. Mettre fin au complot, oui. Vous voyez, tout de suite, comme on n'est plus assassin, toute la famille nous apprécie. Donc ça, c'est bon. Le roi de France est toujours en guerre. Ah, contre... Ah, il est en train de faire un embargo contre Venise. D'ailleurs, Venise, c'est quoi actuellement? Oui, ils ont juste deux comtés ici, deux comptoirs ici. C'est presque Pise qu'il faudrait faire tomber, parce qu'ils ont une puissance, comme vous voyez, juste immense. Il faudra arriver à faire... Il y a Ancône qui a encore des territoires, mais... Ancône ici, d'ailleurs. Il faudrait pouvoir faire tomber. Faire tomber Pise. D'ailleurs, lui, il est mutilé. Ah, ça sont des choses, hein, il faut vraiment... Depuis qu'il y a la mise en place des cités marchandes, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Parce que ça crée beaucoup de... Ça peut créer beaucoup de problèmes. Mon petit-fils... Oui, je vais t'en confier un, je te confierai... celui-ci quand on l'aura. J'aurais dû garder d'ailleurs de côté savoir qui c'était, mais tant pis. Il se manifestera en temps et en heure. Voilà. On a soit notre puissance. Regardez, quand je vous disais que c'est le...
le comté qui a le plus de territoire, hein, vraiment c'est un joli joli comté qui nous apportera énormément d'armées. Alors le problème c'est qu'on pourra pas tellement faire ce qu'on veut dans le sens où justement et ben on pourra pas lever autant d'armées tout de suite, hein. En général y a un temps avant de pouvoir vous voyez, on a récemment conquis. Ça fait des malus pour lever des armées, pour lever pour gagner de l'argent. Et bien sûr, ça, il va falloir faire avec pour pouvoir s'opposer au roi de France si celui-ci vient nous attaquer. On a gagné encore une bataille, ça c'est bien. Ah, voilà, il a lâché, accepté. Alors par contre, faut que je trouve lequel de mes petits-fils a voulu. Parce qu'on a dû gagner ce territoire-là, d'accord. Alors, lequel de mes petits-fils voulait un territoire? Ah, ils sont tous décédés, donc. C'est lequel qui a réclamé un territoire? Ils sont tous morts. Donc on va chercher directement dans ma cour. Dans ma cour. Est-ce lui? A promis un titre. Oui, je lui ai promis un titre. Donc en effet, et on va lui accorder le comté de Gwynedd avec tous les titres qu'il y a dedans. Voilà, comme ça. On a bien respecté ce qu'on avait dit à notre petit-fils. Alors, on va terminer sur cette bataille où on massacre allègrement. Voilà. Où on a massacré des gens qui se sont révoltés. Contre du post-lab, c'est quoi? Beau-fils, fils duc de Hongrie. Ah, il a récupéré des territoires, d'accord. Ben, on va accepter. Même si on ne participera pas. D'accord. Parce qu'il s'est fait excommunier, je suppose. Ah non, c'est lui qui s'est fait excommunier. D'accord, il est excommunié, d'accord. Donc. C'est sur cette victoire qu'on a eue contre l'Écosse et contre cette bande de rebelles qu'on va se laisser pour cet épisode-là. On se retrouve dans le prochain épisode ben, pour continuer à grandir nos territoires. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!